Et si on interrogeait la ministre de la Santé, Agnès Buzyn ? Si maintenant on fait un focus sur l'organisation des soins, qui est un thème qui vous tient ô combien à cœur, on a vu que vous avez parlé de renforcer la place des paramédicaux, notamment des pharmaciens et des infirmières. Alors les pharmaciens, il y a les professions médicales, voilà, et de l'ensemble des professions médicales, tout à fait. Une question pour l'expérimentation de la vaccination avec les pharmaciens. Vous l'étendez à deux régions, mais est-ce que vous allez étendre le périmètre des patients qui peuvent se faire vacciner? Autrement dit, est-ce que tout un chacun, quand on rentre dans une officine, dès cette année, on pourra se faire vacciner? Ce qui n'était pas le cas l'année dernière. Oui, on élargit les possibilités de vaccination à toute la population. Alors, toujours pas la primo-vaccination. On va étendre. Donc, l'expérimentation s'élargit à deux régions. Pourquoi c'est une expérimentation? Parce qu'on demande aux pharmaciens de se former à la vaccination pour repérer des contre-indications éventuelles, connaître les bonnes pratiques. Et donc, il y a forcément une formation pour y participer. Mais progressivement, cette vaccination pour tous et partout sur le territoire va se déployer parce qu'on a besoin de redonner du temps médical aux médecins. Et aujourd'hui, essentiel. Ils le demandent. Et donc, les médecins qui étaient assez négatifs par rapport au fait d'élargir la possibilité de vaccination à d'autres professionnels comprennent aujourd'hui qu'on a besoin d'eux pour leur vraie valeur ajoutée, qui est le diagnostic, l'éducation thérapeutique, évidemment la prescription. Et donc, moi, je veux vraiment redonner du temps aux médecins. Je veux les libérer de temps administratif. J'y travaille avec mes services. C'est un point majeur, le temps administratif. Majeur.